Salut les gens, c'est Tardarin, je suis toujours en compagnie de nos amis Katox, Weirdmec et Atemir sur du Baldur's Gate 3. Bonsoir les gars. Et salut. Salut. Et donc là, on s'apprête enfin à aller casser la gueule des Durgar, depuis le temps qu'on en parle. Donc petite sauvegarde et lançage d'hostilité en règle. Alors... Ah bah on a déjà les deux petits bonhommes à côté de nous à tuer, je crois. Ah bah manifestement non. C'est un peu plus que deux du coup. Oh, et si je respecte, ça va faire regagner mes levels, mes spell slots. Alors du coup, il y a du monde là qui nous attend. Ouais. Effectivement, c'était pas ce qui était forcément prévu, mais pourquoi pas. Est-ce que je te laisse ces deux-là et je vais là-bas? T'as peut-être moyen que... Bah ouais, j'ai l'impression. Ah, c'est embêtant. Alors, bah je... Je vais utile d'en balancer un ou deux par-dessus le... Non, ça casse le loot. Alors, personnellement, je pense que je vais faire ça. Si tu veux, je peux... Ah, mais oui, je vais faire ça. Attention, ne bouge surtout pas, mec. Je touche plus à rien. Ouais, ne bouge pas. Je ne touche plus à mon clavier. Effectivement. Bon. Ah, ça, c'est fait. Ça c'est fait, bon du coup je vais envoyer Belle à l'intérieur là. Attends, stop, avance pas trop. Regarde là. Pourquoi je peux galoper super loin? Là, ça, là. C'est moi ou cette statue, elle est... On peut pas la casser par là? Oui c'est bizarre, elle est... Pourquoi elle est rouge? Il y a moyen, je suis sûr il y a moyen de la taper, elle s'effondre sur les gens. De quoi tu parles? La statue qui est là. Ah putain, si j'avais équipé la masse, j'aurais pu essayer de taper dessus pour voir si ça cassait des trucs. Oh! Imagine, c'est toujours pas mon tour donc je peux pas. Qu'est-ce qu'il me reste? Ouais, alors, c'est parce que c'est à moi, j'ai pas fini, il me reste des trucs encore à faire. Je vais aller ici. Ah, t'y vas? Bon, bah, de toute façon, faut bien que j'avance. Hein. Ah, j'ai pris une potion d'attaque speed là parce que il va y avoir besoin de bombes, de trucs à faire. Hein. Ah, bon, c'est de l'absolu. Par contre, j'espère qu'ils vont pas bousiller les gnomes, hein, parce que là, sinon. Bon, je pense pas, ils vont se retourner vers nous. Les gnomes, ils vont. Ah là. Quoi? J'ai pas vu que j'étais à côté d'un trou. Oh non. Ouais, je me suis mis très loin du trou. Oh non. Très bien. Ah. Et c'est la fin de Vidmir, Iron Wall. Une belle légace. Passe ton tour, on verra. Mais bien. Non. C'est vrai que passe ton tour. Hein. Et là, paf, le mec il te balance un vieux soufflet, la gust, dans la tronche. C'est ça. Oh, je me suis bien caché là, ils vont tous te taper. Oh, ça va être si bien. Je me suis planqué à côté de leur pote. Oh, wow, le critique. Putain, et pourquoi... Et 1000 ans après, Ardarine. Le mec c'est une sentry quoi. Ouais. Ils sont où? Je sais pas. Mais en fait, qui a lancé le combat tout à l'heure? En fait, c'est ça que j'ai pas compris comment on est rentré au combat. De quoi? C'était le but, il fallait lancer le combat. Alors, oui, mais effectivement, je me serais pas forcément mis à cet endroit-là. Ça va. tu peux, dans l'autre, tu peux taper sur le bras zéro, Arda. Ah bah tiens, tu vois, regarde, ça c'est les bottes d'Arda. Voilà. Voilà. Oh, trop bien, ils sont assez proches, je pense, pour leur remettre un coup d'éclair dans la tronche. T'aurais pu m'envoyer ta ward sur la tronche quand même. Alors, est-ce que le petit qui on pourra le bouger, le pelle? Ouais, ça serait pas mal de le virer. Non. Pourquoi leur premier sort c'est agrandissement? Ils ont un problème de. Ils ont un problème de taille. Oh, moi je vais. Ouais, pelle, il va falloir que tu le vires, Hard. Parce okay. que l'invisibilité okay, qui ne sert à rien parce que je le vois. Oh, pourquoi il est tout réduit? Il a lancé réduit. Alors si tu ouais, bouge pelle s'il te plaît, comme ça je peux. Oh, deux secondes. Ouais non mais je te laisse les deux. Moi je vais claquer un shatter sur les quatre. Hein. Sur les 4? Ok, bah ouais. Vas-y, fais ton. Et en fonction... Bah attends, il y a toujours Pell alors, tant qu'il est là, je peux rien faire. C'est bien parce que honnêtement, tu leur enlèves toute leur attaque d'opportunité, je t'avoue que ça me fait bien plaisir. Ouais, c'est bien ça que ça sert. Hein. Encore un petit chouïa ou c'est pas possible?
Bah non, mais là tu gardes le milieu là. Tant pis. En okay. soi, est-ce que là tu... Désolé, Pelle, hein. Tu pourrais pas le pousser par toi. Il est sacrifiable, mon pet. Le pousser où? Ah si, j'entends. Tu les pousses par là. Si je le pousse, il va là. Ah. Non, je peux pas, ouais, je peux pas. Si je peux pas, ça prend 6 mètres de mouvement de faire ça. Non, je t'avoue, c'est pas cool. Tu t'es déplacé en plein dans. Qui, moi? Ouais. Attends, mais je peux me. Là, c'est bon. Voilà. Beaucoup mieux. Parce qu'en fait, sinon, je tape la statue et je sais pas trop ce qu'elle va faire. Donc, j'ai un peu. Bon, ça, c'était une action. Ensuite. Ah, bah, attends, est-ce que je peux pas le. Attends, vas-y, je vais essayer un truc, moi. Tu fais quoi? Moi, je m'occupe des petits qui sont à côté de moi, c'était ça l'idée? Ouais, je vais m'occuper des deux gros. Moi, la chaîne. J'ai été trop con, je devrais foutre de la flotte par terre. Après, t'es au-dessus d'une grille, hein. Ouais, peut-être qu'ils y ont pensé. Ah, mais j'aurais pu faire ça. Attends, si je fais ça. Un gros bruit de punch. Il est. Bah écoutez, c'est pas mal, hein. On en a fait des choses ce tour. Hein. C'est vraiment trop bien, hein, l'élixir de soif de sang là. Ah, mais Call Lightning, j'avais oublié que c'était genre 3 à 32 de dégâts par tour pendant 10 tours. Et tu peux le déplacer non à chaque fois? Ouais, à chaque fois je choisis la zone où je le balance. Il est invisible, c'est mais ne l'est pas. Merci Katok. Toi tu le vois, je te vois. Je te vois. Faudra. C'est plus les deux casters là. Il faudra que vous tuiez genre lui qui est en l'air, etc. Parce que nous on pourra pas y aller, hein, ça va être trop chiant. Où c'est? Genre. Là-haut là. Je l'ai pas apporté moi. Et à la limite, le bras zéro, je pense que vous pouvez le faire tomber sur les gars en dessous aussi. Ouais, mais le truc, c'est que pour l'instant, je vais juste buter un gnome. Ok, non, mais c'est des. Alors, non, c'est ça. Si, machin du Kirk, là, c'est un gnome. Oh. Ah, bah, excusez-nous, putain, mais il s'est pris vraiment, mais ça rigole dans la tronche, quoi. Gatling, quoi. Par contre, il a fait que réussir, quoi. Ah non, il a fail quand même. J'étais là, le gars. Encore une bouffée de poison. Merci. Ouais. Après là en même temps j'ai une AC mais genre qui est débile, hein. J'ai plein de paires d'AC là. Bon, je t'ai empêché d'être désarmé, hein. Ouais, je te remercie beaucoup, quoi. J'ai vu ça, j'étais à E. Qu'est-ce que je lui mets? Du Thunder ou. Ils ont des résistances ou pas? Éclair ou. Il est là. Poison. Ils ont pas de résistance, ils ont poison, mais c'est tout. Après, ils sont pas en armure. Et bonne question. Ah ça, par contre, caca. Ok, on a quoi? On sait où on va mettre le focus. Il t'a balancé un caillou. C'est un caillou. Attends, mais il est venu au cac avec toi et tu l'as pas foutu une attaque d'opportunité? C'est bizarre ça. Bah oui, t'as raison. Pourtant, c'est bien dans les trucs. Je sais pas, il a pas dû. Attends, ouais, je suis dans quoi, moi? Oh, ça c'était fait. J'espère qu'elle a encore les bottes et qu'on va pouvoir les récupérer. Tu t'occupes de qui là? Tu tapes les deux? Tu fais quoi? J'essaie de. Ouais, purée, si je fais ça. Je suis en chemin interrompu. T'as fait ton AO, je peux continuer d'aller taper ou pas? Il y en a d'autres. Non, vas-y, c'est bon. Je vais aller taper le gars qui est censé être invisible là. Ah mince! Bon, tu peux voir. À tour d'atteinte, c'est con. J'ai tellement d'attaques par tour, c'est vraiment abrutissant. J'ai
chiffre. Non, mais non, mais en plus, t'as pris une popo de speed, c'est normal que t'aies 40 milliards d'attaques. Bah non, mais c'est la popo de speed plus l'élixir de Bloodlust. Genre, vraiment, mais c'est débile à quel point j'ai des actions, quoi. Je vais retourner me cacher, moi. Je vais retourner me cacher par là, là. C'était pas mal. Espèce d'enfoiré, tu viens ta beauté et après, c'est moi qui prends les claquettes. Mec, j'ai plus que 13 PV, calme-toi. C'est vrai que t'as pris cher, mon pauvre. Bah après, c'est pas mais y'en a deux là-haut, y'en a deux en fait. Pourquoi moi? Non, mais de toute façon, au prochain tour, mon action bonus, ça va être de me soigner. Attends, je vais boire une grosse potion. Pourquoi il. Non, mais moi j'ai encore un spell, je crois, de. Ah non, pas. J'ai encore de sort de soin, moi. Oui, mais gardez. Enfin, des potions, on en a plein, tu vois, c'est pas non plus. Hyper mandatory, quoi. Je devrais mettre Blade Ward peut-être sur les débuts. Mais c'est vrai que tu vois, je j'aime beaucoup ce truc là. La Fireball. La Fireball. Oh, grave. Allez. Le point que ça fait est trop stylé. Je serre le poing enflammé là. Ah, là, c'est un peu plus quoi. C'est la totalité du corps qui est enflammé. Tutut. Let's go. Pop. Ah bah, tu l'as buté le gars. Il lui restait 22. C'était 22 PV en même temps. Ça reste quand même 22 PV. Hein. C'est marrant parce qu'il t'attaque et ensuite il lance un truc. Ah bah. Est-ce que je crois pas que tu me lances? Ah putain, c'est vrai que du coup je joue pas ce tour là. Ah, dans what? En étant léthargique. Bah, c'est la potion qui est arrivée au bout en fait. Ah, mais c'est ça qui a coupé ma concentration? T'avais pris une potion toi aussi? Ouais, j'avais pris une potion de la. Bah ouais, bah c'est sûr, quand t'es rotélétargique, tu perds tout. Et là, en 2 plus, PV. Du coup, t'es... Wow. Tout ça pour ça. Là, en vrai, c'est allé vite, hein. Je pensais que ça serait plus vite que ça comme combat. Ah ouais, c'est vrai qu'il commence à... Enfin... On va commencer à enchaîner des combats. Ouais. D'ailleurs, j'en ai plus des potions de vide. Eh bah, ils sont tous morts? Oh! Bon, bah oui. Ouais, j'ai un casque qui pourrait te. Tiens, regarde Arda, je t'envoie ça. Putain, non, merci, c'était bien que je voulais envoyer, désolé. Je t'ai envoyé tes. Des bottes? Ouais, tiens, ça, je pense que ça peut être pour toi, Mulmire. Je t'ai envoyé un anneau là qui fait. Qui fait plus. Ah mais non, ça marche pas parce qu'on n'a pas la... J'ai pas la marque de pas... l'absolu. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je sais pas. Mais j'ai envoyé un casque à Arda alors que c'était pour toi, t'es bien. Je pense que ça peut être... Ah, je sais pas ce que t'as comme casque. C'est pas du tout mandatory ce que j'ai. Ah, ouais. Je te l'ai envoyé. Hein. Ah, c'est un casque qui te file colère pendant 2 tours quand t'as moins de 50% de TPV, sachant que t'as souvent moins de 50% de TPV. On va mettre... On va mettre le Mago sur Rage. Ouais, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Ouais, parce que ton score d'intelligence de 17, c'est bien en dehors des fights, mais dans les fights... Je vais parler au gnome. Ah non, pendant les fights, ça me sert à rien. Clairement pas. Par contre, je suis encore lourd, là. Attends, je perceptionne. Je t'ai rien envoyé. Non, mais c'est moi qui récupère aussi toutes les... Les armes par contre, c'est bien foutu parce que en cinématique, tu vois vraiment que ton perso il est. Tu vois que l'endroit il est chaud quoi. Tu vois que ton perso il a chaud. C'est désagréable. Ouais. J'espionne les conversations. Ah, mais il me balançait des javelots le gars, c'est allez. Pour ça que je comprenais plein de gueule. We'll never get through. Philomene's gone. And if she's smart, she won't be coming back. Meltdown's trapped with that maniac, Leah. If you won't find Philomene, I will. Forget the smoke powder. There could be more slavers out there. You draw them right to her. Tu peux lui dire ça. Elle s'est barrée. She's all right. Thank the Stern himself. What of the powder? Without it, Beldrum will die in that tunnel.
She can't have taken it all with her, Bug. She must have squirreled somewhere. Ah bah voilà les petits trucs de... Our people are trapped. Phil was a sapper. It kept a smoke powder stash. Find it and blow that wall open. I'm begging you. J'en ai un des... Moi je les ai les petites pochettes de bonbons. Hurry! Our people won't last in that cave in forever. Je crois que tu peux faire une interaction avec les éboulements du coup. Ouais, je ouais. Je vais me reculer moi. Ah bah t'inquiète. J'aurais pas fait péter si t'étais à côté. Par contre, est-ce que. Ouais, je vais dire. Attends, vas-y. Hop. Donc, si jamais tu peux mettre une fireball dessus. Enfin, une. Un truc de feu. J'arrive. Bah te mets pas trop proche. Hein. Bah te mets pas prêt, te mets pas... Bah voilà, recule, recule, recule. Hop. Vas-y, je remets une deuxième. Fais gaffe parce que le sol est encore en feu, hein. Ouais, c'est ce que j'étais en train de dire, est-ce que ça... Si t'atteins un peu, ça va s'en aller, voilà. Attends, attends que je le mette en place. Au pire, solidité moyenne, s'il y en a un coup de masse, je pense que ça passe, non? Non, j'ai essayé là. Sous moyenne, c'est pas non plus. Non, non, ça passe pas, c'est. Bon, elle est où? Bah, elle est devant là, c'est Godard machin. Ah, mais du coup, il y a Jackie derrière qu'il va falloir qu'on bute potentiellement. Ah, oui. Attends, je vais leur parler. Si vous voulez, je pas mets un coup de. Ouais, pas besoin, ça a déjà fini. Tu leur parles? Bah, c'est. Ouais. Finally! Worthless slaves! Your incompetence has been my ruin! Nay, does not fail. Ouh! Ça, ça m'énerve! Ça, ça m'énerve! Mais enfin! So you care for the weak, true soul. Moi je l'aurais pitié direct, je n'aurais même pas parlé, il a dû faire un gars là. C'est du loup dans moi. Sane explanation. Traitor, you have breathed your last. Là c'est ce qu'on dit. Hein. Il a puté tous les gnomes. Ah non. Non, non, il y a tout. Non. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi, déjà? Bah, j'ai rien là-bas. Ah, il faudra plus faire ça aussi. Il est déjà mort. C'est n'importe quoi. Non, bah, je commence à faire mal. Non, mais t'as toujours fait mal là. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est, ce shit of scream là? Ah, mais j'ai pas ça. Ah, c'est relou. Quand tu tapes au cac, tu passes un mauvais quart d'heure. Ah! Bah, du coup, tire-lui dessus. Oui. Ouais, ça, de toute façon, avec le tour qui reste, il reste pas de passer un bon quart d'heure de toute manière. Qu'est-ce que je peux lui mettre dans la gueule qui pourrait lui tuer? Peut-être lui reste 14 PV, hein. Il a une rapière, ça a pas l'air dégueu. Ouais, mais je pense pas que. Voilà, tu vois le tir tout seul. Ouais, mais nous on reprend juste derrière. Ok, derrière on vient et on le défouraille. Hein. On fait coucou, coucou. Vas-y, arrache-lui la tête! Arrache la tête. Mais non, il m'a mis que j'étais empoisonné, ce con. Tiens, je t'ai guidé. Arrache la tête. Ça passe. Même en étant en désavantage, j'ai quand même fait 21. The head breaks off cleanly from the drow's body. Ah ça c'est YouTube friendly ça. Ça on est bon là. Exactement. Qu'est-ce que c'est quoi? Je sais pas, j'ai ramassé une lanterne et...
Ça ressemble à une lanterne, tu vas pouvoir enfin changer la torche et avoir une lanterne qui a de la gueule. Dans ces moments-là, tu vois, je suis content d'avoir le casque qui donne full intel. Do it. This is pixie dust, used to illuminate a lamp, or left behind after a pixie's death. Ah. En fait, tu mets une fée à l'intérieur et elle est coincée, quoi. Il y avait un peu d'or. Attends, mais en fait, ici, ils sont empoisonnés, là. Ça se voit pas, mais ils sont empoisonnés. Eh oui. Mais moi, je le vois pas, en fait. Il y a une dague en plus 1, Katox. Je sais pas si ça t'intéresse. Non, pas trop. Par contre, tu restes dans le poison. Il y a une rapière qui fait des dommages psychiques. Ah, on voit toujours la rapière, on sait jamais. Je crois pas qu'il prenne de dégâts quand il est empoisonné. Non, mais quand t'es empoisonné, tu prends pas de dommages. Hein. Sois clair, ça fait pas mal, hein, d'être empoisonné. Hein. J'ai vu que t'as des désavantages sur tes checks et tout. Ah, ça va alors. Il y a encore une porte là-bas si jamais. Ouais, attends, je te guidance. C'est... Par contre, je serais chaud pour faire un petit short rest vu qu'on a perdu plein de PV. Bah, tiens. J'ai plus, voilà. Parfait. Surtout que j'avais plus. La 22, allez hop. J'ouvre la porte. Ouais. Allez. Et derrière, il y a rien. Et littéralement, ah rien. Ouais, j'avais Gust of Wind, j'aurais peut-être pu. Une plateforme là-bas. Là. Ah, le poison, j'aurais pu le retirer, en fait, le dissiper, je pense, avec Gust of Wind. Mais le truc, c'est que. Bon. Sachant que je vois pas, je sais pas où est-ce que je dois le caster. Non, ce que je veux dire. Une espèce de plateforme là au milieu, mais je sais même pas si tu sais de sauter dessus. Ah mais non, ah. Je pense que plus tard on pourra y aller, regarde en bas, j'ai l'impression qu'il y a un passage. Ouais. À la limite peut-être qu'en volant c'est possible hein. Je peux essayer d'y sauter mais à mon avis c'est pas facile. Non, même moi je peux pas y aller. Bah je peux essayer de voler mais attends, est-ce que j'ai un prochain parchemin de vol quelque part, une potion de vol? Non, ça me met cible invalide, le chemin est interrompu. Ah ouais, donc c'est juste de la déco quoi. Eh bah, cassons-nous alors. Bon bah. Oh ah, mais non, d'accord. Oh, non, mais regarde, je me. Quoi? Non, mais bah, on est d'accord qu'en dessous y'a un truc. Oui, en dessous, oui. Yeah. Bah, t'as une grosse structure là. Alors, peut-être avec Phaserfall, on peut y tomber, mais. Je crois qu'on peut genre sauter dans le truc pour tomber à Featherfall. En tout cas, faudrait peut-être déjà commencer par parler au gnome. Ah mais ça c'est le boulot de Katox. Ah oui c'est vrai. Laissez passer la RH. Il y a peut-être un chapelet qui fait de la résistance. La RH. C'est tellement ça en vrai. Il y a l'autre meuf qui s'est fait cramer dans la lave. J'étais si inquiet. Quel bâtard. Et l'autre qui s'est fait pousser dans la lave. Allô. We ought to thank someone a little closer by, I think. Gaedel Ironhand, you may not be, but you damn well fight like him. I'm grateful, don't mistake me, but why help us? You're one of them, aren't you? Oui. De toute évidence, non. Ah, tout là. You did just lift a mountain from our heads, so good enough for me, I reckon. Here. The Iron Hand gnomes honor their debts. With Walbrun gone, that falls to me. Make it quick. We need to find Walbrun. Now. You're a little late, Barkus, my lad. He's already been sent to Moonrise Towers. We were just slave hands to the cult, but not Walbrun. He knows things. Things they want to know, too. Mm-hmm. What has he gotten himself mixed up in now? Quoi, la première, non?
Je ne veux pas. T'as pas un casque d'intimidation? Si, mais je crois que ma persuasion est plus haute de toute façon. Ah non, c'est représentation. Non, les... Attends, les deux, hein. Ouais. Je peux mettre ami. Ami alors que t'es en train de lui faire peur, ça pue. Allez, on est potes. Qu'est-ce que tu... Oh là 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 là. Surtout qu'il efface le 1. Non mais c'est surtout que c'est 19 avant tous les bonus en fait. You'll call me mad, but fine. Walbrun's found the formula for rune powder. What? Aye, the explosive of Gaerdal Ironhand's own creation. Fistfuls, wiping out armies. All those old stories. Only Walbrun couldn't leave the stories be, so he went and bloody found it. A small supply, tucked away down here with a manuscript. He just made sense of the formula when the cult jumped us, so he burned the damn thing. If there's a single copy left, it's sitting in his head. Those absolutists pull it out and make rune powder, they could flatten the whole of the Sword Coast. C'est bien, c'est qu'on va toujours plus loin dans le drama. Ouais. Quelle histoire. You really would, wouldn't you? But not us. My people can barely stand, and we have business back in the city. That business is what sent us after the powder to begin with. Now, we'll have to make other arrangements. And just like that, you'd leave Walbrun behind. I knew you lot were foolish, but I didn't know you were cruel. If you knew half as much as you think, my lad, Walbrun might have kept you around. He'd admire your resolve and your optimism. My people will find somewhere to regroup across the lake, then on to the city. If you find yourself in Baldur's Gate, seek us out. We'll raise a glass to Walbrun together. Bon. Eh ben voilà. Parfait. Et la pensée de la meuf qui s'est fait cramer dans la lave, ils en ont rien à foutre. C'était une Jean-Michel No Name, c'est pas grave. Ça, c'est... elle était pas en scénarium quoi. Il y a une statue de char. Par contre, j'ai cramé tous mes sorts de niveau 3 moi. Boom. Bah, en même temps, c'était un vrai fight. Ouais, c'était un bon petit fight. Je crois qu'on a fait tout le côté ici. Ouais. Bah, je crois. On va pouvoir se TP près de la forge ancienne. Sur la carte, j'ai quoi? J'ai soit faut retourner au début. Non, on a fait le stage. Quand tu fais la carte là, moi j'ai un truc qui s'appelle la cage de Harper. On l'a déjà fait ce truc là. Ah, bah oui, c'est les mimiques. Ouais. C'est les mimiques. Bah, let's go alors. En avant. Hop. Oh bah vous-y. Vous-y. Est-ce qu'on fait un land dash ou pas? Attends, je ne rentre pas. Je suis en train de parler à comme vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de parler à un des gnomes. Show me where to go and I'll try my luck. I'll have a better chance of rescue. Parce qu'il y avait un des gnomes, c'était le mec qui était accroché au moulin. Oh. Ah bon? Mais oui, le Marcus Brut, Frout ou je sais pas quoi, c'était le mec qui était accroché au moulin, c'est pour ça que je voulais lui parler. Ah, et il a dit quoi? Il était là, ouais, ça me surprend pas trop que vous nous ayez encore filé un coup de main, et il disait, ouais, je vais partir sauver le mec dans mon coin. J'étais, alors tu vas te calmer, peut-être déjà va dans notre camp, et pose-toi un peu. Et il fait, ouais, non, je vais y aller. Je fais, bon, bah, on va vous secouer une troisième fois. Alors il était, ouais, bon, finalement, je veux bien faire un petit dodo. Va pour le petit dodo. Ouais, c'est pour ça je me suis dit, attends. On se fait un long casse du coup. Ouais, on va se faire le sort, etc. C'est ça l'idée. Vous avez check tous les coffres dans les alentours ou ça, là-bas, au camp, là, où t'étais là. Ouais, bah, pourquoi vous prenez pas les armes pour les balancer
Alors c'est pas que je les prends pas, c'est que je t'avoue que je pense que j'ai dû louper 2-3 caisses. J'ai essayé d'être assez exhaustif. C'est vrai que moi, je suis pas rentré dans la cave. Je me suis dit, comme t'en as marre de récupérer nos merdes. Non, mais moi je les envoie au camp, dans le camp. Je les mets dans le camp, comme ça après on les revendra quand même. Ah ouais, faut les envoyer au camp, ça fait toujours. Là on va au camp, c'est ça, vous voulez faire un long rest? Tout le monde est prêt pour aller au camp. Ouais, j'ai tous mes points de vie, tout mon ki, donc pour moi je m'en fous, mais je crois que vous avez pas de spells de niveau 3, mais je peux récupérer en prenant une popo. Il te reste des spells, toi, Mimir? Ouais, j'ai un level 3, 3 level 2 et 2 level 1, donc oui, je suis. Et Katox? J'ai 4-1 et 2-2. J'ai plus de 3. Moi j'ai 3-1 et. En vrai, ça se tente, hein. Eh, attends, et bah, si c'est. Je peux prendre un coup de charge de restauration magique. Bah oui, toi tu l'as. Hop, j'ai récupéré un spell de niveau 3, allez. On est dans la Moria, là-bas y'a un truc. Là. Ah, c'est le pont, c'est le pont de Kazakhdoum, ton truc. Hein. C'est exactement ça. Attendez, y'a encore un gisement à gauche. Oui, ah, c'est la droite. Ouais. Enfin bon, c'est compliqué quoi. C'est là où. Ah. Ouais, j'avais oublié ça. Oh non, pas des méfites. Ouais. Bon, bah, je vais mourir. Pourquoi? Ah, du nombre de méfites, étant donné que je suis en plein dans. En plein dans tout le merdier. Quelqu'un a un truc qui fait de la pluie? Normalement. Oui. Bouge pas! Ne bouge surtout pas! Je compte pas aller plus loin. La pluie, ça sert à quoi? Pourquoi ils aiment pas la flotte? Bah, je sais pas si c'est une méfite de mouche de feu. Oh non, je suis en fight! Oh, mais quel enfer! Je pensais que j'y étais pas encore et que je pouvais respell. Parce que j'avais le nuage de neige, mais ils me sont approchés de moi et du coup je suis rentré en fight. Donc non, j'ai pas de. Ah, le nuage de neige, tu penses que ça marche? Les gars, à côté de toi là, je balance un truc. C'est quoi tout ça? Allô? C'est parce que t'es en feu que ou c'est sur eux que tu veux que je le balance ce truc? Pourquoi il y en a 4 qui sont sortis là? Je sais pas, je me dis ça fera peut-être un debuff pour eux, je sais pas. Non? Vous voulez que j'essaye? Ils viennent tous les 4 débiles là. Ça va me faire cramer mon spell slot level 3 hein, par contre. Attends, il fait quoi le sort que tu vas lancer avant de le lancer? Là, ça appelle une tempête de neige fondue qui va péter la concentration des casters, éteindre le feu et créer une surface de glace. Non, ça sert à rien. En fait, c'est à la limite si ça faisait des dommages de flotte. Ça serait intéressant parce qu'ils craignent les dommages de froid. Mais sinon, c'est useless, y a pas de caster, y a pas de... est-ce que je peux venir jusque toi, Katox? Je suis pas sûr. Bon bah, let's go, hein. Je vais... Je suis pas sûr. Je vais buter le gars qui est à côté de moi, voilà. Aïe, il s'expose pas? Non. Mais pourquoi il se barre, lui? Hop, je vais tuer celui-ci. Attends. Est-ce que je peux... Bon, ça va, c'est pas comme ceux de terre qui se reproduisent à 14 000 exemplaires. Non mais moi je crois qu'ils explosaient surtout quand... Moi aussi, c'est pour ça que je me disais je vais crever. Si, quand ils meurent ils explosent en dommages de feu, il faut être hésité à moins de 2 mètres de... Mais... Attends, mais bon, là j'ai... Pourquoi c'est de nouveau à moi de jouer là? Bon, je sais pas trop. Vraiment, j'ai pas tout compris, mais bon. Ça, c'est pas sur la table là-bas, t'as un élixir de résistance au feu. Faut les loot, ils ont des trucs pour faire de l'alchimie pour Arda là. Bon, registre de char. L'huile de combustion, je m'en suis pas servi parce que je pense que ça peut foutre bien le spell. Moi, je vais envoyer les papiers à Ardarine là, voilà déjà. C'est vrai qu'il faut que je le garde de sorte de création d'eau à chaque fois. Bon, finalement, c'était moins pire que prévu. Ouais, moi je pensais aussi qu'on allait se faire exploser la vie. J'ai le souvenir des méfites de boue là qui étaient horribles. Ouais, mais c'était les gros trucs là qui les créaient, les méfites de boue. Il y avait des trucs bien ou pas? Parce que j'ai l'impression que vous avez tout looté. J'ai balancé Arda. J'ai trouvé des pare-chauds.
Invisibilité, vol. Là, c'était quand même coûteux, hein. C'est vrai que Shatter c'est bien, mais ça coûte cher. Hein. On continue d'avancer. Ouais, ouais, j'étais en train de regarder les sorts que je pouvais mettre parce que là j'ai. T'es où Attends, on essaye de foutre une potion par terre là pour se soigner vite fait. Vous avez tout looté là? Normalement, il paraîtrait que oui. Attends, hop. Hop, bouge pas, Katox. Tiens, Mulmir, t'arrives à venir à côté de nous là? Hop. Attends. Je pense que là, elle... ouais. Bah je la vois, si elle est là. Voilà. Yeah. Ah. 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 Alors, en fait c'était cool parce que mon bâton il faisait des dommages de froid et du coup j'ai l'impression que ça a bien fonctionné sur eux là. Et je me demande si tes dégâts de froid justement c'est pas ça qui a empêché parce que moi j'en ai tapé un et il a pas explosé. Bah peut-être. J. Appuyez sur J. Sur la forge. Levier d'éjection du module. Levier oui, de la forge. Je sais donc. Comment marche la forge. Faudrait peut-être juste se mettre d'accord. Qu'est-ce que vous voulez qu'on crafte? Parce que. Ah, en fait, je sais même pas ce qu'on peut crafter. Alors, on a deux possibilités. On a récupéré deux trucs d'adamantium. Donc, on peut moi, crafter. J'ai des bouts d'adamantium aussi. Hein. Oui, mais on pourra pas les mettre dedans là. Il y a que deux. On peut faire que deux objets. Moi, j'ai déjà fait et je sais qu'on peut faire que deux objets. Donc, on a un moule pour faire une armure moyenne. Un moule pour faire une armure lourde, un moule pour faire un bouclier, un moule pour faire un cimeter, un moule pour faire une épée longue, et un moule pour faire une masse. Ok, bah dans tous ces trucs là, moi, il n'y a rien qui m'intéresse. Donc, pareil. Donc débrouillez-vous avec Katox. Moi je vais prendre l'armure lourde, hein, comme vous vous en doutez, hein, c'est, voilà. Bah, c'est vrai que toi t'as une armure qui est même pas bleue, donc à la limite si elle est vraiment bien, ça peut être intéressant. Bah, en plus, les armures en adamantium et le bouclier, dès que tu portes un truc en adamantium, ça empêche de taper des coups critiques. Les coups critiques peuvent pas te toucher. Ah, c'est bien. Et après, à la limite, Katox, toi, tu peux peut-être prendre le bouclier, non? Ouais, le boubou. Ouais, le boubou, ouais, parce que comme ça, tu peux changer ton armure. Et le bouclier, tu veux, je l'ai gardé longtemps dans ma run. Non, mais c'est surtout que ton armure, elle est pas si mal. Celle que t'as au Katox, mais ton bouclier il fait rien de spécial, enfin c'est un spell, c'est tout quoi. Donc, ouais, ça c'est un spell, c'est tout. Donc, let's go. Pour pas vous. Comment ça marche du coup? Moi je vais mettre le moule dans le truc là. Ouais. Et après, bah. On peut cliquer, attends, est-ce que je peux cliquer pour ça m'intrigue? Je peux cliquer sur moule chamber là? Bah vas-y, attends, je t'envoie les moules qui nous intéressent. Hop, tiens, je te l'envoie. Je t'ai envoyé le moule. Et bah, vous voulez peut-être le montrer pour YouTube. Ça, c'est du contenu pour YouTube, ça. Bah, je t'ai envoyé un des moules, tu les envoies après aux deux autres pour qu'ils le montrent. Après, je vous dis pas comment fonctionne le truc parce que c'est un petit casse-tête. Je vous laisse réfléchir quand même. Je mets le moule pour le bouclier. On a dit qu'on faisait le bouclier, hein. Ouais. Donc, j'ai mis le bouclier, j'ai cliqué sur insérer. Il m'a dit insérer succès avec succès. Le splint, c'est quoi c'est la... L'armure lourde. L'armure lourde. Bah attends, je vais l'envoyer à Arda, comme ça il se démerdera après avec. Donc ça c'est pour éjecter le truc. Là-bas on a le levier de la forge, là on a le crucible. Bah je suppose que je clique sur le crucible. Là, faut rajouter le... Faut rajouter un truc que j'ai pas du coup. L'adamantium. Ouais. Qui c'est qui a de l'adamantium sur lui? Bah toi t'avais les scories. Ouais, mais je crois que les scories ça sert à rien, il a dit. Ouais, les scories ça sert à... Tu peux pas t'en servir pour crafter quelque chose. Mitral or. Là, j'ai mitral or. C'est en mitral du coup? C'est ça que je comprends pas. Tout à l'heure, il disait que le mitral c'était moins bien que l'adamantium. Bah ouais, c'est et ça. Et là, pourtant, c'est du mitral que tu fous pour faire un truc en adamantium. Donc en gros, ça veut dire que c'est la même chose. C'est juste que c'est un truc que travaillé. Je sais pas. Quoi, je te fous du mitral alors? Ah bah t'es trop loin. Ah non, il faut que je le mette sur moi pour pouvoir le mettre là, ça c'est vraiment débile. Donc là j'ai inséré le mitral dedans. Maintenant tu vas faire le levier de la forge là-bas je suppose. Ok. Oh,
putain, ça m'a fait peur. Moi aussi, ça m'a fait si peur. C'est de la délicatesse. Ah, j'étais pas prêt. Qu'est-ce qui se passe? Alors ça, c'est marrant, ça avait dû bugger dans ma partie parce que ça avait même fait ça là chez moi. Alors, il y a une valve pour de lave. Là, j'ai un tout pour la plateforme. Je suppose que c'est la valve de lave sur laquelle il faut cliquer. Sauvegarder. Non, avant de cliquer dessus, sauvegarder. Pourquoi? Vous allez voir. C'est pas ça qu'il bon, faut. Je clique sur la vague de lave. La lave de. La valve de lave. Y'a un truc qui s'est ouvert. Oh yeah! Oh. Ah, c'est quoi la bait? C'est Ragnaros. Exactement. Il a Sulfura à la main. Non, comment s'appelle son arme? C'est Sulfura. Sulfuras. Ah, Sulfuras. Hop là. Oh, il met de la lave partout. Oh. On a tous été TP sur la plateforme, bien évidemment. Il a 300 PV, mais quel enfer. J'ai regardé parce que toi t'étais dans la lave au début et je me suis fait qu'il va se faire one shot, c'est pas possible. Mais en fait non, ça va, le jeu est cool. Et la save. Bon bah... Alors, résistant aux dégâts tranchants. Ok, donc le... La dernière personne qui lui a fait, ou la personne qui lui a fait le plus de dégâts, ce sera celui qui est évalué en menace. Donc là, il est centré sur ma gueule. Il est, il prend double de contendant. Il est résistant à l'acide, au tonnerre, au nécrotique, au feu, à la foudre. Il est résistant au froid, au psychique, au poison, aux dégâts radiants et résistance à la force. Ok, en global. Ça sert à rien. En gros, il faut lui taper dessus avec une masque. C'est ça. On peut le. Putain, je voulais résistant à tout, quoi. Après, on lui a déjà fait perdre 50 PV, hein. Ouais, attends, finalement. Moi une popo de. En fait, j'ai plus de potion de speed, c'est un peu le problème là. Ah, attends, bah j'en ai moi. Je vous cache pas que. Attends, je t'en envoie. Avec, ça serait plus simple. Mais attends, mais tu les consommes de ouf. T'en avais plus que moi. Bah, moi, dès qu'il y a un combat qui a l'air d'être un combat qui a une tête de combat, potion de speed, hein. Ok, ouais, parce que moi je les garde précautionneusement, donc je t'en envoie une. Donc, il est résistant à tout, ce gros malin. Bah, je vais prendre ma masse. Hop. Attends, non. Wait, il faut le bait en fait. Tu le baites, tu le tapes sur la plateforme au centre et puis tu l'éclates le marteau sur la gueule. Non, il y a des trucs, il est résistant, il y a des trucs, il est insensible. Mais tu le baites sur la plateforme du centre, là où il y a le gros marteau qui s'est éclaté. Une fois qu'il est passé du centre, t'éclates le gros marteau, tu te pètes pas le cul. Oui, c'est pas bête. Ah, par contre, il est sur ma gueule là. Ouais. Et je crois que c'est le dernier qui l'a tapé qui est sur qui il va, donc Mitsiarda arrive à faire un coup et qu'il arrive un peu à le bait vers le centre, on peut tenter de l'amener par là quoi. Mais moi je vais faire aucun dégât hein. Non, s'en fiche, faut juste que tu le tapes. Faut juste que tu le tapes. Bah j'y vais, ça, je m'en fous, on va faire du levier. Je peux le taper hein. Attends, tiens que ça, attends, vas-y, je vais essayer de me barrer, je vais balancer son attaque d'opportunité, comme ça tu peux te barrer après à Temir, ok. Voilà. Ça c'est le principal, et si t'essayes de te mettre genre... Là ça peut être intéressant. Wow. Ah, ouais. Après le problème c'est que je peux pas aller jusque là-bas. Mais... Ouais mais au moins c'est pas toi qui a pris les 46 dégâts dans la gueule. Ah, ah bah c'est sûr que je serais mort aussi. On va voir si ça fonctionne. Par contre peut-être mettre bien en pile entre... Ouais ça... Mais bon, fin du tour. Qu'est-ce que c'est que qu'ils viennent nous faire? Ok, il veut pas. Attends. Attends.
Attendez, je... Non, si moi je le tabasse, il sera sur moi, et moi j'aurai la... je pourrais rejoindre le l'opposé. Attends, si je fais ça... C'est bien, je suis en cible principale. Affiché, je dois traverser de la lave. Oups. Non, je peux pas. Je prends une coco. Après, si y'a que ça, je peux faire une. Arda, t'attends avant de le taper, comme ça on peut le taper nous. C'est ça? Ouais, ouais. Ouais. Tu l'as tapé là Moi je l'ai tapé moi. Ok bah ouais. Je vais rester là. Bah Arda, let's go. Let's gong. Il est devenu trop loin. Non. Piu 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 piu. Ah bah non. Oh, oh là, tu m'as fait si peur. Ouais, ouais. Je l'ai vu marcher dans la lave en mode let's go. S'il est toujours trop éloigné. Mais tu peux pas tirer ou... T'as pas une arme à distance? Mais sinon si c'est trop éloigné. Si ouais, si, mais c'est pas grave, tu peux tirer quand même. C'est juste plus dur. Attends. Moi j'étais en désavantage pour lui tirer dessus, mais... C'est 120 mètres hein, normalement. Enfin c'est 60 mètres. Je sais plus combien pour tirer. Vraiment pas un truc à louper. T'as tué ton pote. C'est pas grave. Est-ce qu'il m'a considéré comme la cible? Non, c'est toujours moi. Mais bon, c'est pas grave, il va marcher. Je pense pas qu'il soit capable de faire tout ça en un seul tour. Ok, c'est con. Attends. Et là, je peux cliquer dessus là? Non, il est pas dessus. Attends, mais si. Moi, je peux peut-être. Le taunt, si tu veux. Ah bah, vas-y, hein. Si je me bah mets là, normalement, je suis dans l'axe hein, pour lui. Après, si vous voulez, je me suis mis Blade Ward. Je lui tape dessus, je me mets sur la position. Je l'ai pas eu. Deux échecs critiques d'affilée. Allez. Je retente. Attendez, ce que je vais faire c'est... La lave elle est partie ou elle est toujours là? Non, elle est... moi je la vois plus. Je la vois plus, elle est partie. C'est comme l'énergie poison là... Non! Non! Ouh, chouchou. Attends, j'ai combien? Est-ce que j'ai encore mon Blade Ward? Ouais. Je mets ici et comme ça il sera normalement dessus et vous pourrez lui foutre le... Le martal. Par contre, j'essaie de... Hop là, bon bah allez, hein, on va prier pour que je me fasse pas défoncer. Witness me! Witness! Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Non, non! Tu l'as où? J'ai pas... Non, j'ai rien fait. J'ai même pas tapé, j'ai rien fait. Pourquoi t'es venu sur moi? J'ai même pas tapé au tour précédent. Pour une fois, j'ai essayé d'être intelligent. Ouais, bah bon, en plus là, c'est cassé donc. Non, mais au pire, juste on le bute quoi. Bah non, je te dis ça passe. De toute façon, on a. Bah attends avant de le taper alors, que moi je puisse le taper. Pour... Parce que depuis tout à l'heure, bah, j'ai. C'est trop tard, j'arrive pas à le toucher moi en fait, hein, donc. Moi j'arrive pas à le toucher donc. Et là, surtout que les seuls dégâts qui vraiment lui font, c'est du contondant. Ah, mais toi, tu t'as pas en contondant? C'est moi, bien sûr. Oui, c'est lui qui l'a pas wound depuis le début. Nous, on sert à rien. Ah, mais oh, attendez, bah, maintenant que je suis prime target, moi je vais là. Et je vous laisse aller activer la forge. Alors, moi, sachant que je suis stun, je vais pas faire grand chose. Bah, t'as pas Misty Step, pardon? Bah, il y a moyen que j'y aille avec un dans rush. Dans tous tes parchemins là, t'as pas Misty Step, moi j'ai un. Au pire, moi je l'ai, j'ai un pare-chaud de Misty Step. Je peux faire fouler brumeuse, y'a pas de soucis. Mais vous le ferez au tour prochain, vous le ferez au tour prochain. Là au moins il sera obligé de venir vers nous.
Mais là, si je l'attaque, ça va pas bien se passer. Non, mais l'attaque ça va pas bien se passer. On passe le tour. Au pire, c'est au tour prochain, vous vous dépêcherez là-bas, tu vois. Allez. Non, c'est vrai que j'aurais pu balancer peut-être un spell de dev. Allez, let's go, merci. Merci beaucoup. Non. Si, il est toujours dessus. Ah. Je suis à terre. Ah, quoique. Là, il est toujours dessus là. Oh putain, j'ai une attaque d'opportunité. Arda, c'est pour toi. Tire le levier, écran. Pardon ? Ça a servi à rien du tout. Attends, mais pourquoi je me suis pris le marteau, moi ? J'étais pas dessus. Ah bah je sais pas, mais moi j'ai douillé ma mère. Hein. Ça lui a quasiment rien fait. Bah ça lui a rien fait. Essaye de, tu sais pas, retirer dessus. Ouais, alors si on peut éviter... Ouais, merci. Je préférerais pas faire de one shot. Si tu tentes de lui maraver la tronche... Ah, il y a des méphites qui sont arrivés aussi. Oui, j'ai vu, mais ça à la limite c'est moins grave. Regarde-le. Ouais. À terre, menacé, 173 PV sur 300. Il a quand même pris cher. Hein. C'est pas retiré le. Examine-le dessus. Examiné. Il a moins de résistance. Donc plus on le tabasse, moins il a de résistance. C'est parfait. Non, c'est l'inverse. Là, il y a tous les dégâts qui sont nullifiés. Ah oui, effectivement. On ne peut plus le taper. Romar a eu la gueule au marteau, ça finira par passer. Oui, mais pour ça il faut passer le tour. Attendez, moi je peux pas rentrer. Ouais, éloignez-moi. Moi j'étais heal, moi je peux pas. Ah si, on peut se barrer. Ouais. Bah oui, vu que là il est. Par contre, il est pas terre. Du tout stun, hein, il va pouvoir. Non, il est à terre. Jouer. Il est à terre pendant deux tours. Ah bah attends, vas-y, on va aller. Moi je pense que si on lui marave la tronche, ça va d'aller. Mais non, on peut pas lui faire de dégâts. Bah c'est ça, tu vois, il se lève là, c'était oui, sûr. Mais. Mais c'était sûr qu'il pouvait bouger. Mais il est mis à terre deux tours. Attends, si moi je le taunt, il y a moyen. Ouais, non, il va. Ça c'est fait. Pourquoi pas? Et toi, tu dégages. Ça, c'est bon. Parlons plus. Là, il est trop loin pour que ça lui fasse quoi que ce soit. Oui. Attends. Attends, ils sont très passifs. Peau en adamantium, intégralement réalisée en adamantium, un métal si résistant qu'il ne peut être façonné que quand on le soumet à une température extrêmement élevée. Donc en fait, faut l'éclater au marteau quand il y a de la lave. Bah, je suis le prime target. Pousse-toi, Budmir, il va venir là où je suis. Normalement. Attends, faut relancer la lave. Ou pas? Ouais, oui, moi je suis dans la lave. C'est pas grave. Bah non, mais casse-toi. Tu vas. Je peux plus te déplacer, donc tant pis. Bah y a pas de tant pis, tu vas craver. Bah c'est pas grave. Bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Donc, Mais non, mais là tu vas mourir, hein, et si tu tournes. Essaye au prochain tour. Ah non, parce qu'il faut qu'il touche la lave d'abord. Oui, c'est pour ça. Mais de toute façon, il va venir jusque moi, donc il sera quand même dans la lave. Et moi, je peux misty step encore, j'ai un pare-choc. Ok. Ok, bon, bah j'attends alors, je vais pas. On attend. Et c'est là qu'il va faire Arda. Bah alors, ça par contre, j'ai pas compris pourquoi. Ouah, c'est dessus. Non, c'est ça. Ah bah je l'ai vachement misty step là. Je crois qu'il t'en veut. Alors Attends, parce que je peux le soigner mais il va être en. Instant. Voilà. Oh mais il est en mode attaque. Bah là il peut disengage. Mais non mais regarde. Ah oui, il misty. Hop là. Mais après, est-ce que la menace c'est toujours lui? Bah, je peux pas le taper donc je peux. Tant pis, mais. Là, il est dans la lave, hein. Tu peux cliquer sur le panneau, hein. Y'a plus personne dans la lave. T'es pas dans la lave toi par hasard? Ah, moi non. Enfin, je crois pas. Ouh, une petite grille.
Ah voilà, donc, et donc là, là il se passe quoi là? Surchauffé, là, il doit se remettre sur la, et il doit se remettre sur la, le marteau, et tu lui répètes la gueule au marteau. Ah, parce là, qu'en fait, ça, l'adamantium ne peut être forgé que quand quand il est surchauffé. Allez, le shield est prêt. J'ai chopé en plein le combat. Qu'est-ce que ça a tiré sur quoi? Pas sur lui. Tu l'as eu? J'ai l'impression que je l'ai loupé. J'ai vu que t'as tiré sur un truc en l'air. Oui, c'est ça, pour moi, tu lui as pas tiré dessus. Ah, j'ai dû avoir un truc qui a... T'as tiré sur le marteau, j'ai l'impression, plus que sur le mec. Oh, ce biscuit de l'enfer. Attends. Par contre, j'ai peur qu'Atox qui vienne sur toi là. Si je prends une potion, peut-être d'invisibilité, il me verra pas. Vas-y. Ah, je suis craché. Je suis grave, tu verras pas. Ou je peux peut-être prendre voler pour aller rejoindre de l'autre côté, quoi. Patate. Ce qui serait bien, c'est que tu puisses faire une action bonus pour te mettre en gros de l'autre côté pour l'attirer sur le. Comment dire? Ouais, ici. Bon, alors je vais dessus et je le shot. Et je fais coucou. Regardez-moi. En fait, non, ce qu'on pourrait faire. Ah non, parce que pour y aller. Pour aller, je dois prendre une action bonus. Non, mais en gros, au tour prochain, Arda, ce que tu peux faire, c'est utiliser ton un des pare-chocs que t'as de les tentacules d'Evrar, là. Non, je peux pas. J'ai pas. Pourquoi le niveau. Tu peux... Ah, tu peux pas caster le spell même avec le parchemin. Alors, moi, ce que je peux lancer. Alors, je vais regarder si au prochain tour je peux le lancer. Bah, parce que en gros, ça c'est censé bloquer les gens. Donc. Tu peux peut-être essayer de le balancer, si c'est possible, de le balancer là. Ça, voilà. Et Je vois ce que tu veux dire. Et quoi? Bah, j'ai pas. Je vais juste m'écarter et puis j'ai que ça à faire de toute façon. On verra sur qui il va. Sur moi. Ah, adieu. Oh là là, le MVP. Le... Goat. Attends, s'il y a que ça, moi je peux essayer d'aller peut-être sur le tout du milieu. Ouais, le taunt, parce que moi je peux pas bouger là. Attends, pourquoi je peux pas aller sur le tout du milieu? Ah mais c'est des bludgeoning qu'il aime pas. Ouais, mais on s'en fout, mais n'importe quel dégât qu'on lui fait, ça l'attire. Il faudrait un truc par contre que je sois sûr qu'il le touche, parce que là je vois 40% pour lui taper dessus et ça le mise, donc... Vas-y, attends, je vais essayer. Non... Bref, je vais essayer ça, je suis pas convaincu que ça touche, hein, 60%, mais on va tester. Yes! Vous me dites et je réactive la lave quand il faudra. Non, mais là il est encore en surchauffe. Hein. Le tapez pas, j'ai tapé là, je l'ai tourné. Mais hein. je vais le tirer derrière moi en fait, je vais pour le mettre là où on est en fait. Ok, donc ça n'a servi à rien ce que je faisais. Tu peux pas le bouger pas en fait, c'est trop lourd. De toute façon, moi je peux me rebarrer. Oui, mais. Je suis prêt à intervenir si nécessaire. C'est pour la forme. Hey, tu fais trop de dommages. Ouh. Allez, ciao. Bon ben, on passe ça marche. Tu pouvais lancer ton sort ou pas du coup, Arda? Quel sort? Le pare-chaud là, tu peux le balancer. Il peut pas être bougé, il est trop lourd. Non, c'est pas un truc pour le bouger. C'est un truc pour l'arrêter. Hein? Il a un pare-chaud. Slow, ça marche, moi je m'en suis. C'est le dernier parchemin que t'as. Parchemin de tentacule noir. Clic droit, non, oh, mais c'est pénible ce truc. Pourquoi clic droit ça marche pas? Je peux lancer le sort, oui. Et c'est quoi, c'est une zone, ça marche comment? Je ne sais pas, j'ai peur qu'en cliquant dessus, ça ne me permette pas de le désactiver. Ça fait une zone. Et c'est une grosse zone? C'est une très grosse zone. Ça prend tout le cercle. Tout le cercle du milieu, tu veux dire? Ouais. Et bah tu peux pas essayer de lui balancer dessus là, en mode t'évites mieux de mire, mais c'est entre lui et moi. Comme ça, il s'arrêterait dans la lave, genre.
Mais là il est... Mais là il est encore surchauffé. Son marteau, là. Mais il est encore surchauffé. Je vais pas le faire maintenant, ça sert à rien. Non mais comme ça on le laisse dans la lave en fait. Mais non mais il est encore surchauffé. Si on arrive à le mettre sur le marteau, c'est bon. Là, faut que c'est en état surchauffé pour lui péter la tête. Ouais, donc là je ne fais pas ça, je vais lancer une potion sur l'un de vous. Bah peut-être sur... T'as plutôt Mjolnir parce qu'il va être à côté de Mjolnir, il va sans doute faire Quake et c'est peut-être lui qui prendra plus cher. Ouais, moi je vais disengage pour pas me prendre d'attaque d'opportunité, c'est celle qui m'a vraiment fait mal tout à l'heure. Donc, Bah merci beaucoup, c'est gentil. On sort des bouteilles à la gueule pour se soigner. Ah mais t'as raison, attends. Putain, j'aurais pas dû passer le tour, j'aurais pu prendre une potion, là c'est l'action. Ok, il est pas sur le marteau. Si t'arrives si, à... tout à l'heure on était à ce niveau là, on a quand même pris des dommages, il va les prendre. Hein. Ouais, il est quand même vachement loin. Ah ouais. Non. Au pire, tente de disengage, on éclate le marteau, on verra bien. Ouais, je suis à côté là, du levier, là je peux le faire. Attends, pourquoi je vais pas disengage? Parce que de temps en temps ça lag là, moi si j'en fous le lag. J'appuie sur le levier. Vas-y. Ouais, vas-y. Ouais, non. Ouais. Essaye de le. Ah, oui, non, t'as plus d'action du coup. Attendez. Quoi? Ah, ouais. mais est-ce que j'en mettrais pas un coup de. Est-ce que j'en mettrais pas un coup de lave? Là, il est encore en surchauffe. Ouais, vas-y. Ah, ouais, vas-y. Ça va finir au prochain tour. Ça sera fait comme ça. Pourquoi je peux pas boire une potion là? C'est quoi le délire? Ah, parce que je suis léthargique. J'avoue que si tu mets ta lance pile sur le côté là. Ah non, mais t'as le risque qu'elle se fasse en. Après, elle est éthérée, normalement elle prend pas. Bah, si t'arrives à le tabasser et taper la lance là, on est bon. Mmh. Donc, je sais pas sur qui il va là. Ah, là par contre, ma lance, je trouve qu'elle a une vieille portée de merde. Oh la blette. Non. Adieu. Bah attendez, je vais me foutre moi sur le truc du martal et Bah Ardaï est toujours hein. Ah non, oui, sur la plateforme. Ouais, sur la plateforme. Sinon moi je peux essayer de me mettre genre ici. Attends, et tenter de le toucher, sur un malentendu je le touche hein. Attends, je me mets là. Et j'essaie de lui tirer dessus. Putain. Attends, je vais essayer à mon tour. Si je me mets là. Oh putain, mais j'en ai marre. Ça fait combien d'échecs critiques là ce soir? Un beau paquet. Tu peux pas attaquer ta lance, attaquer avec ta lance et refaire revenir ta lance derrière? Non, la portée elle est pourrie avec la lance, il y a quasiment pas de déplacement. Je vais balancer un soin. Je sais pas si tu peux disengage. Ah non, putain, tu viens de sortir. Non, et puis j'ai même plus de ki pour disengage. Mais est-ce que je peux me déplacer? J'ai l'impression que je peux me déplacer. Alors, on va venir là. Ah mais toi t'as tous tes PV en fait, pourquoi je suis venu vers toi? C'est pas grave. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais... Ah tous les deux hein, vous pouvez... Enfin lui il peut disengage je pense pareil. Ouais ça, disengage... Essayez de vous taper vraiment plus par ici. Ouais tu sais, une action commune. J'ai pas l'impression... Ah, mais en fait... En fait, si je pars de... Ok, en fait, j'étais déjà à son cac. C'est juste qu'il a t'as deux flèches. Malade. T'as deux fouets. Allez, salut, hein, j'essaye. RIP. Alors, comment ça marche? Faut que je me clique dessus? Faut que je clique sur une... Non, mais là, c'est bon, il a plus d'attaque d'opportunité. Là, il a plus d'attaque d'opportunité, donc tu peux te barrer. Ouais, de toute façon, j'ai... Si tu peux, genre, venir vers nous pour tenter de le mettre sur la forge, c'est cool. Ah, même tâche, hein, je pense. Ah ouais, dans tâche, là. Ouais, ça... Ah yes, oui, c'est vrai que t'as les bottes de pièces. Pas bon, alors c'est bon. Vas-y, on va plus loin encore. Je peux pas... Ah bon? T'as même pas un petit mètre ou un petit quelque chose? Ça devrait passer, hein, s'il vient...
Ah, parce que je l'attaque. Il va pas me taper moi. Bah, vas-y, ouais. Essaye toujours. C'est quoi ces résistances? Oh, tu... bah, c'est, faut que tu tapes en physique, de toute façon, le reste c'est ça. Ouais, ça. À moins que t'aies des dommages. Ah, attends, il est en bloc. Bah, après, je sais pas, il est en défense élevée. Non, mais après, tu peux. En fait, tu peux lui faire des dommages, c'est juste que tu lui en feras pas beaucoup, en fait. Hein. Ouais, ça. Tu peux faire force, tu peux faire thunder, tu peux faire acide, tu peux faire tous les dommages physiques et. Après, le missile magique, c'est ce qu'il faut faire, le missile magique, t'es sûr de le toucher. Que là, tu vas avoir un pourcentage de pas le toucher. Effectivement. Bah là, c'est voilà. Le côté méchant. Ah, vas-y, soit. Ah, il sera pas dessus, putain. Mais ouais, c'est le problème. Il est trop grande portée en fait. Par contre. Let's go! Bon, par contre, c'est fou que vous arriviez à me soigner que j'y aille. Mais... ah, mais non, c'est une action. Ah, si, si, j'ai. J'ai. Ah, non, c'est une action d'appuyer sur le levier. Je sais pas. Oui, oui, c'est une action. Bah, je pourrais pas faire. Il faut Misty Step. T'as pas un pare-choc de Misty Step, Hard? Je regarde ça. J'ai peut-être une potion de vol. Oh non, j'ai fait jeter des plantations. Ah bah non, c'est une action. Ah non, je... ah oui, non, c'est une. Attends. Non, j'ai pas de parchemin de Misty Step. J'ai un parchemin de vol. J'ai une potion de vol, je crois. Moi, j'ai un parchemin de vol. Hein. Ouais, j'ai la potion. Mais du coup, si j'utilise, après, je pourrais pas appuyer sur le levier. Là, c'est ça en fait. Le problème, c'est qu'un parchemin, c'est une action. La potion, c'est une action bonus. Mais il faut que quelqu'un prenne l'attaque d'opportunité, quoi. Bah, bon, ça va être ça le problème. Ouais. Ouais, je vais. Ou alors peut-être que Vol déclenche pas le truc. Attendez, je vais essayer un truc. Attends, sauvegarde parce qu'il est trop bien placé. Ah, t'as Blade War plus Ast. Il y croit, Mutmir, il y croit. Let's go. Que 14. Arda, bah, coup, je vais m'éloigner. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, moi aussi si d'ailleurs. Tu peux venir me help ou que je. C'est bon, vous êtes barré? Ouais. Normalement, il n'y a plus personne au courant. Allez, 3, 2, 1, partez. Il est à 131. Oh, juste. Oh! Il a plus que 3 PV! Oh, putain! Let's go! Critical 0. 0 dommage, bravo, félicitations. Bah oui, non, il faut, yes. Il faut le recramer. Il faut le recramer, il est invulnérable. Non, mais toi, t'es dans la lave et Arda aussi, donc je peux. Ouais, je me dirige vers la roue. Attendez, peut-être que ma lance va faire quelque chose. Non. Ah, la lance c'est bon. Ah, mais la lance au moins la. Ah, bien joué. Il vous reste pas une petite action bonus là pour que je crève pas? Non, bah... je suis trop loin pour t'aider. Non, en parce fait, que voulais, mais, tu vas pas crever, prochain, t'as encore. Tu vas pas mourir, ouais, ton t'as tes jets de DC. Ah, oui, hein. Okay, bon, t'en as validé un pour l'instant. Je vous inviterai tous à trouver un endroit en hauteur. Attends, vas-y, je relève. Relever. Super. Je suis levier. C'est bon. Ah, mais t'arrêtes. Tu peux cliquer. Bon, je verse la lave, allez hop. J'espère que ça va le toucher, mais j'y crois pas trop. Non, mais il devra vraiment passer dedans au prochain tour. Quoi. De toute façon, à ce niveau-là, dès qu'il devient enflammé, là on peut le tuer avec quelque chose. Hein. Ouais, potion. Je vais essayer de me mettre entre c'est qui ouais enfin, je viens à côté de toi et je vais essayer de me balancer une popo de balancer la potion de soin. Attends, je me mets juste à côté. Vas-y. Moi, je pense que bon. Si j'avais pas foiré mon magic missile tout à l'heure, il serait mort déjà le machin. Oh let's go 17. Oh Ah bah toi, je peux encore soigner si jamais. Ah bien. D'ailleurs quand je vous avais dit que la plateforme ça puait le boss. Effectivement. C'est l'œil du MJ ça. Eh hey, tu sais quoi, on a monté un niveau, on a déjà fait la boutique du prochain. Attends qu'on termine ici. Non la vie pas. Oh putain, wow, l'échec critique sur de la part du golem. Oh il s'est pas mis dans les flammes. Non, non, vas-y, c'est pas grave. Vas-y. Ah, si, c'est bon. Ah, j'aurais dû penser au début que l'arme spirituelle pouvait être tank. Alors l'arme spirituelle, je la remets sur le... Non. Ah oui, si, c'est vrai. 500 XP, yes. J'ai eu d'un coup d'arbalète.
Ouais, wow. 500 XP. Qu'est-ce qu'il lootait ce con là? Alors il y aura un casque que je prends ça. Oh! Casque de Grim machin, 120 points XP. Alors qu'est-ce qu'il fait? Les attaquants ne peuvent pas faire de critique. Il est où le casque Grim machin? Bon, de toute façon, je m'en fous, je peux pas le mettre. C'est un casque lourd. Il y a que Bulbir qui peut le mettre, voilà. Ouais, ça. Bon, ah, mais ben, attendez, mais. Oui, non, mais le casque, je suis en train de me dire que si on fait l'armure d'Adamantium, ça me sert à rien d'avoir le casque. Bah, du coup, c'est peut-être, le casque. Peut-être plutôt voir ça différemment, sachant qu'on a le casque, est-ce que tu veux pas faire autre chose que l'armure? Le casque, il fait juste, en gros, il évite juste que je prenne des. Comment dire? Que je prenne des crits et ça met Hunter's Mark. Ah, ça te donne. Ça, en gros, tu as des avantages, enfin, c'est pas un avantage, mais tu as un plus 1 des 6 au dé de touche. Mais c'est un sort que tu balances. Et en fait, au prochain tour, tu as un avantage pour le toucher. Non, c'est même pas ça. Là, c'est 1 des 6 de dégâts supplémentaires de perce armure. Enfin, ah, de c'est... dégâts de. C'est l'autre, alors attends. Parce que moi, je sais un truc pareil, c'est. Ah non, j'ai coup au but, moi. Marque du chasseur, ouais, c'est un. Ah, mais Hunter's Mark, c'est comme X. C'est ouais, ça, c'est un. L'armure d'Adamantium, c'est combien déjà d'AC? Parce que. Bah, non, après, de toute façon, on fait là, tu verras bien. Oui, c'est ce que je dis, c'est que là, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez crafter d'autre techniquement? Parce qu'on a le moule pour une armure médium. Personne prend l'armure médium. Le cimetière. Bah, le cimetière, à la limite, peut-être Katox, mais. Ouais, je reste à distance. Il faut du dégât. Ou l'épée. Ressemble à quoi le boubou? Ah, et toi, l'épée longue, ça peut pas être plus intéressant, du coup? Non, l'épée longue, ça fera moins de dégâts que les armes que j'ai à deux mains. Bah, une épée longue, c'est à deux mains. Non, c'est polyvalent. Une épée longue, c'est une versatile, c'est un D8. Et les armes que je dis, c'est au minimum du D10 et du D12. Et bah, comme vous voulez. Peu m'importe, moi. Moi je veux bien tester l'armure lourde de jeu. De toute façon c'est pas pour nous, alors moi je m'en fiche. Bah, chope l'armure lourde et puis voilà. Donc c'est le moule à bande de métal, c'est ça? Oui, ça doit être ça. De toute façon t'as qu'un seul moule sur toi, normalement. Ouais. La sauvegarde avant quand même. C'est bloqué. Attends. Dans le compartiment du moule. Oui, faut que tu rouvres le moule avant. Ouais, comment on fait? Il y a un levier. Ah, fichier, le boss est dessus. Attends, je clique dessus. Ok, donc là. Compartiment à moule. Hop. Ouais. Je peux pas me servir de ce truc là. Comment ça, je peux pas me servir de ce truc là? Voilà, j'insère. J'ai mis le mitral dans le truc. Insérer avec succès, très bien. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à s'éloigner du truc et à appuyer sur. Non, faut le faire fondre. Faut le faire fondre. Ouais, je veux de la lave. C'est bon, il n'y a personne qui est dans. Non. J'envoie la lave. Il y a un deuxième qui arrive là, on est d'accord. Ah, s'il y en a un deuxième, bon, ça serait quand même un petit peu abusé. On farm les boss. Ah, moi j'ai plus de sort. Hein. Moi j'ai encore. Vas-y, là, tu peux vivre. Let's go! Bon, par contre, j'aimerais bien attendre que la lave se barre. Un calibagnon en adamant. Tiens! Il est con. Rends l'armure, Pénélope! Rends l'armure. Merde, t'as trop de trucs dans ton inventaire. Attends, faut que je scroll, tiens. Est-ce que vous m'avez envoyé les restes des méphites magmatiques? Non, je les ai loot, mais je les ai pas envoyé encore. Après, je crois que tu peux normalement. Et pourquoi tu les envoies à moi? Parce que j'étais en train de dire que je t'avais envoyé l'armure. Attends, je te mets ça dans ton petit sac. Ouais, mais c'est trop bien! Okay. Elle est OP cette armure! Ouais, mais c'est pour ça que tu réduis tous les dégâts venant de deux, c'est ça aussi qui est bien plus pété que le casque, donc c'est pour ça. Après, tu peux le casque deux, de toute façon. Après, casque lourd, je sais pas. Vas-y, je te le file et teste si tu peux pas le porter. Mais non, mais c'est sûr que non. Ouais, c'est armure lourde.
Donc toi tu peux te faire les deux, hein, de toute façon. De toute façon, à partir du moment où c'est de l'armure, dis-toi que je ne peux pas le mettre. Partons de ce principe-là. Si c'est une armure, ce ne sera pas pour moi. T'as réduit tous les dégâts de 2, ça par contre ça va faire plaisir. Tiens, prends la tête de Jackie là. On a fait une belle gueule l'armure. Et après, si tu prends la. Si tu prends la. Comment dire. La proficiency sur les armures lourdes. Ah bah non, après ça va te péter tout. Du moment que tu vas prendre de l'armure lourde. Je peux même pas les prendre les proficiency. Les feats ils sont cadenassés quand t'es moine. Tu peux pas les prendre. Ah ouais, d'accord. Le seul moyen que je les prenne, c'est à la limite si je devenais fighter ou un truc comme ça, tu vois. Mais même bah, ça. Ouais, carrément. Pourquoi tu fais pas ça? Ça m'intéresse pas. Bien, on remonte. Faut voir si c'est vraiment rentable. J'appuie sur le. J'ai cliqué, mais il s'est. Voilà. Allez, ciao, Arda. Attends, je crois que tu as foutu où le casque? Mais comment on fait pour. Le casque est dans ton inventaire? Ah bon, je le vois pas. Ah non. Bah, il est où? Mais. Attends, j'ai vu dans ton inventaire tout à l'heure le casque. Allez, viens. Bah. Mais qu'est-ce que vous foutez, putain? Mais Arda, il était pas sur la plateforme, alors il est resté en bas. On est retourné le chercher. Ouais, il est où le casque du coup? Attendez, on peut aller par là. Vous voulez pas venir là? Pourquoi vous retournez en arrière? Il y a la suite là. Bah, du coup, on a retrouvé ce casque ou pas? Mais de quel casque vous parlez? Attends. Ça va déjà mieux quand j'ai plus 40 milliards de moules sur la. Tu parles de quoi comme casque? Bah, le méga casque qu'il avait, il le cherchait. On l'a retrouvé ce casque ou pas? Non, bah. Il est pas dans mon inventaire. Bah il est où? Bah je sais pas, mais en tout cas il est pas dans mon inventaire donc Son casque, tu sais son gros casque armure lourde là. J'aurais mis ce clic et je l'aurais envoyé au plan. Ah voilà. Ah ouh, bah, c'est pas grave, si c'est au plan. Bah, je vais vérifier. Oui, c'est bon. Watch my step. Ah oui, un fameux truc là. Le clic droit envoyé au plan, je me plantais. Donc les trucs prêts à éclater, c'est pas là qu'il y a les méfis machin qui en sortent. Fais un peu apparaître le casque, qu'on voit à quoi il ressemble. Ah ouais, c'est Sauron quoi le gars. Est-ce qu'on ferait pas un vrai long rest là? Ouais, c'est. Si, il va falloir. On a un gros truc là qui est. De toute façon, il va falloir clairement terminer l'épisode, on a 1h20. Ah oui, oui, mais bon. Oh alors, feu, j'ai bien galéré. Pardon? Plaît-il? Quelqu'un a dit quelque chose et j'ai parlé. Ah. Mais qu'on avait bien galéré sur ce combat. Oh, grave. Oui. Augmenter la difficulté. Allez. Non. Bah, allez, en vrai. Challenge. En vrai, ouais, c'est ça. N'empêche qu'il aurait fallu faire passer le mob deux fois sous le fameux marteau. Si on l'avait pas. Mais je pense que la première fois on s'est pas trompé. On l'a pas. Non, la première fois on s'est trompé. Oh, il y a une bestiole dans le feu là-bas. Ouais, ce sera pour la prochaine. Parce qu'il faut vraiment qu'on stoppe. Avant qu'il reste n'importe quoi. Ouais, bah allez, on s'arrête là. J'espère que l'épisode vous aura plu. Je te dis à bientôt pour la suite. Des bisous tous. Bisous tous. Ah, je suis sexy.